Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons étudier un exercice sur les sous-espaces supplémentaires. On se place dans l'espace vectoriel E égale R3, muni de sa base canonique B égale E1, E2, E3. On considère F l'endomorphisme de E dont la matrice relativement à la base B est donnée par A, une matrice 3, 3. On considère ensuite les sous-espaces vectoriels F et G de E, définis comme suit. F est le noyau de F moins 2 fois l'identité dans E, et G est le noyau de F moins 4 fois l'identité dans E. On se propose de répondre aux questions suivantes. Premièrement, donner une base B1 du sous-espace F et une base B2 du sous-espace G. Deuxième question, montrer que la réunion de ces deux bases, B' égale B1 union B2, est une base de E. En déduire que E est somme directe des sous-espaces F et G. Et enfin, donner la matrice de F dans la base B'. Nous allons donc commencer par la première question. Dans cette question, nous allons chercher une base B1 de F d'abord. Base de F. Un vecteur U, disons x, y, z de E, de R3, appartient à F si et seulement si il appartient au noyau de F moins 2 fois l'identité dans E, ou encore si et seulement si F moins 2 fois l'identité dans E de U est égal à 0. Ou encore, F de U, moins 2 fois l'identité de U, c'est U, donc moins 2 fois U égale 0, ou bien F de U égale 2U. Si on écrit cette relation matriciellement, elle s'écrit A fois la matrice colonne des vecteurs de X, 3, 2, moins 1, 0, 4, 0, moins 1, 2 et 3. Alors, F de U se traduit par A appliqué à X, Y, Z, égale 2 fois U, ou bien 2X, 2Y, 2Z. Nous allons en tirer le système, formé par les coordonnées du vecteur U dans la base B. Alors, ligne, colonne, cela nous donne 3x moins z égale 2x. Pour la deuxième ligne, 2x plus 4y plus 2z égale 2y. Et la dernière ligne nous donne moins x plus 3z égale 2z. Nous allons arranger un peu mieux ce système. 3x moins 2x, nous avons x moins z égale 0. 2x plus 4y moins 2y plus 2y plus 2z égale 0, et dans la troisième équation, nous avons moins x plus 3z moins 2z, donc plus z égale 0. Voici donc le système vérifié par les coordonnées de U. Notons tout de suite que l'équation 1 et l'équation 3 sont les mêmes. Il suffit de multiplier par moins 1. De cette équation 1, par exemple, ou de l'équation 2, on va tirer ceci. X égale z. De la deuxième, nous allons tirer aussi la valeur du y en fonction de z. Nous avons 2y égale moins 2x moins 2z.
Et en remplaçant x par z, ça fait donc moins 2z égale moins 4z. Donc nous avons x égale z, 2y égale moins 4z ou bien y égale moins 2z. Naturellement, avec z quelconque. Z est quelconque. Donc le vecteur cherché U, à l'origine c'était x, y, z, s'écrit tout simplement x vaut z, y moins 2z, et z est quelconque. Ou encore z multiplié par le vecteur 1, moins 2, 1. Nous posons U1 égale 1, moins 2, 1. Ce vecteur est non nul. Et puisque tout vecteur U de F est combinaison linéaire de ce vecteur constitue une famille génératrice et comme il n'est pas nul, c'est une base. Donc nous allons prendre B1 égale U1 est une base de F. Est une base de F. Nous passons maintenant à la recherche d'une base de G. Alors un vecteur U, disons x, y, z, appartient au sous-espace G, si seulement si cette fois-ci, G c'est le noyau de F moins 4 fois l'identité, donc si seulement si F moins 4 fois l'identité dans E appliquée à U égale 0. Nous obtenons donc cette fois-ci, en écrivant cette relation sous la forme f de u égale 4u, et en passant à la formulation matricielle, elle s'écrit tout simplement, elle s'écrit tout simplement, A matrice A multipliée par X, Y, Z égale le vecteur 4X, 4Y, 4Z. En remplaçant A par sa valeur et en groupant les termes comme tout à l'heure dans le même membre, on termine avec le système suivant, 3x moins z égale 4x, 2x plus 4y plus 2z égale 4y, et enfin moins x plus 3z est égal à 4z. Ce système est équivalent au suivant, 3x moins 4x moins x moins z égale 0. Dans la deuxième, nous avons 2x, 4y moins 4y se simplifie, donc plus 2z égale 0. Et la dernière s'écrit, moins x, 3z moins 4z moins z égale 0. Voici donc les équations que vérifient les coordonnées du vecteur U dans la base B. Il est facile de remarquer que les trois équations sont les mêmes. La deuxième s'obtient en multipliant la première par moins 2. Autrement dit, ce système équivaut à une seule équation, à savoir x plus z égale 0. Ou encore, z égale moins x. Naturellement, y qui ne figure pas est quelconque. Dans R. Finalement, le vecteur U cherché, qui à l'origine avait pour composante x, y, z, s'écrit x, y
et z peut être remplacé par moins x. On peut le décomposer en deux morceaux. C'est x multiplié par le vecteur 1, 0, moins 1, plus y multiplié par le vecteur 0, 1, 0. Et donc, nous allons poser u2 égale 1, 0, moins 1 et u3 égale 0, 1, 0. Tout vecteur u s'écrit donc sous la forme x u2 plus y u3. Donc la famille qu'on peut noter b2 égale u2 u3 engendre g. Alors pour s'assurer que c'est une base, il suffit de vérifier que la famille u2 U3 est libre, ce qui est immédiat. En effet, si on suppose que alpha U2 plus bêta U3 est nul, nous avons immédiatement alpha fois 1, donc alpha égale 0, bêta égale 0. Conclusion, la famille qui est là est aussi libre et par conséquent, B2 est une base de G. Alors, il nous reste à montrer deux choses. B' égale B1 union B2. Base de E, nous allons le démontrer, et en déduire que E est somme directe de F et G. Alors, pour la première question, elle est simple. B' est formé en fait des trois vecteurs U1 qui constituent la base de F, U2, U3 qui formaient la base de G. Alors nous allons montrer que cette famille est une base de E. Puisque E est de dimension 3, E c'est R3, il suffit de vérifier qu'elle est libre. En effet, si on prend alpha fois U1, alors U1, le vecteur U1 c'est bien 1 moins 2, 1. Plus bêta fois U2. Alors pour U2, on avait trouvé 1, 0, moins 1 et gamma 0, 1, 0 égale vecteur nul. Pour prouver que B' est libre, il suffit de montrer que alpha, bêta et gamma sont nuls. Mais en effet, si on fait les calculs, nous avons alpha fois 1 plus bêta fois 1, alpha plus bêta, gamma fois 0 égale 0. Pour les deuxièmes composantes, nous avons moins 2 alpha, il n'y a pas de bêta, plus gamma égale 0. Pour les troisièmes composantes, nous avons donc alpha moins bêta, alpha moins bêta égale 0. Voici donc le système que vérifie les inconnus alpha, bêta, gamma. Il est facile de remarquer que si on fait la somme entre l'équation 1 et l'équation 3, bêta disparaît. Il nous reste 2 alpha égale 0 et par conséquent alpha est égal à 0. Maintenant, en reportant dans la première, nous avons bêta égale 0 et en reportant dans la deuxième, nous avons gamma égale 0. Par conséquent, B' est libre. Comme il est formé de trois vecteurs et que nous sommes dans un espace vectoriel de dimension 3, elle constitue donc une base. B' est une base de E. Reste à prouver maintenant que E est somme. E est somme directe de F et G.
Alors, considérons l'espace somme, F plus G, tout simplement, la somme. F et G sont deux sous-espaces de E, donc F plus G est un sous-espace vectoriel de E. Les vecteurs U1, U2, U3 appartiennent naturellement à F plus G, puisque U1 est dans F et U2, U3 sont dans G. Donc nous avons ici la famille B' qui est égale à U1, U2, U3 et une famille libre, on l'a déjà démontré, de F plus G. Cette famille est formée de trois vecteurs. Or, F plus G est un sous-espace de sa dimension est inférieure ou égale à la dimension de E qui est 3. Comme il contient une famille libre formée de trois vecteurs, la dimension de F plus G est au moins 3. Et par conséquent, la dimension de F plus G est égale à 3. Alors, si on a un sous-espace de dimension 3, et si ce sous-espace admet pour dimension 3, nous avons immédiatement F plus G est égal à E. Reste à vérifier que la somme est directe. Alors, nous savons que la dimension de F plus G est égal à la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F inter G. 3 égale dimension de F1 plus dimension de G2, donc ici moins la dimension de F inter G. Cette relation montre que la dimension de F inter G est égale à 0 et par conséquent, F inter G est réduit au vecteur nul de E. Finalement, F ou E est bien égal à la somme directe de F et de G. Il reste à déterminer la matrice de F relativement à la base B'. Alors, B' est formée des vecteurs U1, U2, U3. U1 est un élément de F, donc il vérifie F de U1 égale 2 U1. U2 et U3 sont des éléments de G. Il vérifie F de U2 égale 4 fois U2 et F de U3 égale 4 fois U3. La matrice de F relativement à B', c'est la matrice qui contient les images des vecteurs F de U1, F de U2, F de U3 sur la base U1, U2, U3 donc. Comme F de U1 égale 2 U1, donc les coordonnées de F de U1 sont 2, 0, 0. Pour F de U2, nous avons 0, 4, 0. Et pour F de U3, 0, 0, 4. 0, 0, 4. Voici donc la matrice de F relativement à la base B'.